Ça sera un moment fort de la prière, un moment fort où nous serons dans la présence de Dieu. Voici nos adresses. Nous sommes dans la commune de Makisso, sur l'avenue Fataki numéro 1, référence terrain Makisso. Dieu sera au rendez-vous. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous voici encore dans cette deuxième édition de l'Académie des décideurs. L'Académie des décideurs, c'est une académie qui nous apprend l'autorité que Christ nous a conférée. Et là, nous prenons des décisions majeures par rapport à notre vie, par rapport à notre destinée, par rapport à notre mariage, à notre famille, par rapport à nos enfants. Dans l'Académie des décideurs, ce qui marque la différence avec les autres académies, c'est que dans l'Académie des décideurs, nous apprenons l'autorité que Christ nous a conférée à décider. Dans le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 17, la Bible déclare « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria pour que la pluie ne tombe pas pendant 3 ans et 6 mois. Et il insiste et il persiste. Il dit « Sinon à ma parole. » Dans l'Académie des décideurs, nous amenons quelqu'un à prendre des décisions. Aujourd'hui, il y a des problèmes dans ta vie, il y a des problèmes dans ta famille, il y a des problèmes même dans ton ministère. Écoutez bien aimé, dans ce programme des 30 matinées des décideurs, nous allons décider et nous allons prier pour que le Seigneur change notre histoire, que le Seigneur change notre vie. La Bible dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Ça sera un moment fort de la prière, un moment fort où nous serons dans la présence de Dieu. Voici nos adresses. Nous sommes dans la commune de Makisso, sur l'avenue Fataki numéro 1, référence terrain Makisso. Dieu sera au rendez-vous. Nanjomana tunaalika kila mtu ambaye yuko ndani ya nchi ya Kisangani. Neema imefika kwako ndani ya nyumba. Usizubao wala usikae. Kuja tusikie neno. Naamini kuna barua ambaye waliyemwandikia Esther wa Yuda wote. Mordekai aliandikiwa barua ambaye ikasema watawaua wote wa Yuda. Biblia inasema kulikuwa na hukumu, wakahukumu, wakasema watafariki wote. Nikuambie kuna muda ambaye ya pili barua ilikibadilika. Na yale barua haikuandikiwa tena gisi iliandikiwa mwanzo. Mwanzo walihukumu, ngambo ya pili barua zikapasuliwa na mfalme. Na decision ikageuka. Kwa hiyo naalika kila mtu, kuna barua walianzika kwa ajili ya ndoa yako. Na kila mambo duniani inafuatana na maandiko ambayo walikuandikia. Kuna watu waliwaandikia kifo, kuna watu waliwaandikia dharau, kuna watu waliwaandikia kila kitu kibaya. Lakini kuna barua nyingine ambayo itaandikiwa kwa ajili yako. Na ndio maana usikose kwenye maombi. Ça sera un moment fort de la prière, un moment fort où nous serons dans la présence de Dieu. Voici nos adresses. Nous sommes dans la commune de Makisso, sur l'avenue Fataki numéro 1, référence terrain Makisso. Dieu sera au rendez-vous. Chaque jour, déjà à partir de ce dimanche, de 8h à 12h juste, lundi, mardi, mercredi, jeudi, le matin, de 6h juste à 7h 30, un moment fort de la prière. Et chaque après-midi, ça ne sera que le mardi et le jeudi. Notez bien, le mardi et le jeudi après-midi de 16h à 18h pour vivre le miracle. Voici notre thème, la première et la deuxième lettre. Waouh! Nous vous réservons une surprise à Dieu.